Le cabaret sauvage fait du bruit! Ouais! Yeah, 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 c'est votre gars YoBG, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche. Est-ce que vous passez une bonne soirée? Ouais! Croyez-moi, c'est pas terminé. Et bien évidemment, vous savez, je suis accompagné de mes gars sûrs. Je vais commencer par ma droite, le maire de la ville. Salut à tous, driver aka Jean-Louis David, et j'adore faire des brochings. Ouais! Mon gars sûr, à ma gauche. Hey yo, c'est Bassam, les choses se passent. Paris, ça va ou quoi? Ouais! On va entrer dans le vif du sujet. Tout de suite, battle international. Ouais! Ça va être chaud. Donc le premier, nous vient du Canada. Il était là aussi au RC 10 ans. Il a affronté Fléo. Merci de faire un tonnerre d'applaudissements pour Franco Bucci. Ouais! Yeah! Et le prochain, Battle MC, il a fait son premier battle au RC 14, c'est bien ça, hein? RC 14 contre Slider. Il était aussi présent au RC 10 ans, il était aussi au RC Online. Merci de faire un tonnerre d'applaudissements pour notre gars sûr. C'est qui? Doug Brown! MC à ma gauche, présente-toi. Yo, vous m'entendez? Ouais! Alright, so, moi c'est Franco Bucci. Je viens de Montréal, un petit peu sur le décalage horaire. So, Bucci450 sur Instagram. Ajoutez-moi si vous voulez voir des stories de merde. Puis, c'est ça. Shout out Montréal. Rest in peace, Pat Stay. Yeah, 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 yeah. Let's fucking go. MC à ma droite. Doc Brown. Rain. Panel large, West Coast Project, comme d'hab, ça va toujours ou quoi, le cabaret sauvage? Ouais! C'est cool. Vous m'entendez bien, hein? Ouais! Let's go, c'est bon. Ah, je vois que les gars sont chauds. Qui a gagné le Quintos? Il était pas là, donc je décide, et puis... Il commence? Ok, c'est Doc Brown qui commence. Allez. On est sur Paname, ça va être Jean! Historique! Jean! Historique! Jean! Historique! Ok, premier round, let's go! Ok. Francis Boussico. Avec un nom pareil, il y a des émissions qui t'accueilleraient sans que tu les écueilles, non. Si je m'appelais Francis Boussico, j'irais serrer Karine Le Marchand. Avec des gars avec des noms de paysans qui font les thugs, pour moi, je trouve ça léger. Au Québec, un quartier chaud, c'est un quartier où il a pas neigé. On s'en prend à ta mère pour se marrer. Dit qu'elle a un boule de taré dans lequel on peut s'égarer. Ta mère, c'est South Park. Tout le monde lui dit bonne journée car il y a de la place pour se garer. Yeah. T'es pas Lloyd Banks, t'es Carlton Banks. C'est grâce à des gars comme toi que le pneu se bicrave dans le Banks. On est dans le même bateau, mais t'es pas capitaine, je suis pas Tom Hanks. Ce soir, tu vas perdre la face quand Gustavo Fring. Si je fais une gun bar, faut fuir, espèce de con. J'ai l'impression de porter des Reebok tellement je presse le pompe. Des gars comme ça, ils se plaignent de devoir aller jusqu'au bout de mes lignes et de pas finir les narines pleines. T'es pas dépaysé, je te la fais à la ricaine. Fais pas genre t'es au-dessus de la barre, c'est comme un penalty d'Harry Kane. Du bruit là, s'il vous plaît. T'as dit de la mère à Freddy qu'elle faisait du 3X, tic-tac-toe, fort bon. Moi, je pense que sur 3 rounds, je t'aligne, mort-pion. Je dégomme, je veux dire. Si Stom veut fuir ma ligne, le stop le tire en mode get over here, scorpion. C'est unanime. T'as la crédibilité de Ross quand il parle d'Unagi. T'es tellement dans la white qu'on m'appelle plus Barry, je te brutalise. Regardez tes battles, c'est un clic bête et je parle pas du Paris. T'es né le même jour qu'une analyse de Christophe Dugarry. Time. Doc Brown. Okay. T'es tellement gentil. J'aimerais que tu sois mon frère. T'as parlé de South Park. Tu me fais penser au chef. Puis c'est normal parce que t'as toujours un rôle secondaire. Et puis,
T'as dit que j'ai traité la mère de Freddy de grosse. C'est n'importe quoi. Mais quand je parlais de la mère de Freddy qui était grosse, ben je parlais de toi. Je suis poétique et trop technique, mon flow est sick mais marmonné. J'ai aucune présence scénique, mais puisque je suis gros, vous me pardonnez. Je suis poétique et trop technique, mon flow est sick mais marmonné. J'ai aucune présence scénique, mais puisque je suis gros, vous me pardonnez. Vous savez que je peux pas bouger. Même mon dos, mes cuisses, mon petit pénis, c'est impossible de les savonner. Je suis sale! T'es sale! T'es d'accord qu'avec la moitié de ton corps, t'as aucun contact? Oui, oui. T'es d'accord? Hey! Yo! T'es d'accord qu'avec la moitié de ton corps, t'as aucun contact? Mais je peux pas te croire que t'es un doc si t'es pas capable de te rendre au bac! T'es grand, gros, black! Tu sais ce qui est drôle? Tu ressembles à Rick Ross ou Biggie Smalls s'ils étaient restés pauvres. Ou à Fresh la peufra qui a mangé trop de McDo. Hey yo, cabaret sauvage! Vous êtes prêts? Hey yo, pardonnez-moi ce massacre. Je peux pas paniquer juste parce qu'il est gras puis qu'il m'attaque. T'as prouvé pendant la finale du Red Bull que tu peux paniquer ma race. Hey yo, faut que t'admettes, la finale du Red Bull, ça t'a fait trop mal perdre. Mais c'est pour ça que les docs déconseillent le Red Bull quand t'es un gros tas de merde. On s'inquiète pour toi. C'est pour ça que tous tes opposants te disent tout le temps que t'es gros. Big Pun avait ta grosseur quand il est mort d'une crise cardiaque. Donc tu devrais me remercier, négro. J'essaie de te sauver la vie. Tu pèses 400 livres. Je sais pas qu'est-ce que ça veut dire en kilo, mais 400 livres, ça veut dire que tu pèses 18 fléaux. Hey yo! Hey yo! Hey yo! Hey yo! Hey yo! Hey yo, hey yo, tu sembles épuisé. Hey yo, tu sembles épuisé. Tu te fais tout le temps mépriser. Moi, je triomphe dans ton milieu comme sur les Champs-Élysées. Seul un diamant peut déformer un diamant, donc t'as aucune chance de me briser. Les seules réactions que me donna le doc, c'était pendant le film d'enfants de Disney. Mes clashs sont genre historiques comme les pyramides de Gizeh. Toi, t'as aucun historique comme quand tu t'astiques sur le navigateur sur privé. Donc... Toi, t'as aucun historique comme quand tu t'astiques sur le navigateur sur privé. Donc, je suis l'alligator, t'es celui que l'alligator d'inviter. So, fuck les bars, fuck les flots. Les obèses prennent tout l'espace dans les hôpitaux. Ah! Hey yo! Fuck les bars, fuck les flots. Les obèses prennent tout l'espace dans les hôpitaux. Avion, cinéma, personne veut être à côté de toi parce que t'es fucking gros. Tout le monde déteste ta compagnie, t'es comme Monsanto. Mais tu prétends faire des bons punch? Ouais, et Stoner fait de bonnes intros. Hey, hey, hey yo, hey yo, hey yo, hey yo, hey yo, hey yo. Hey yo, j'insulte ce nègre pour finalement le sauver. Je me sens comme Django. Donc faut que t'écoutes mes conseils et que tu coopères. Sinon le prochain doc qui va te voir, c'est le coroner. Time! Time! Yeah! Yeah, 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 yeah! Donc round! Deuxième round! Ben, tu devrais me remercier que je te laisse me traiter autant de gros. Depuis que tu l'as fait, dans ta vie, t'as jamais eu autant de flow. En plus... Pourquoi je suis pas saoulé? Tu dis que j'ai été en contact avec la moitié de moi-même parce que je suis en surpoids. Qu'est-ce que j'y peux si ta sœur, elle est tout le temps sur moi? Oublie pas qui je suis! 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 Let's go! Oublie pas qui je suis, putain! Hey yo! Oublie pas qui je suis, bordel! Hey yo! Ok, ok, let's go. Oh shit. Francis prend pour l'élément qui forme, mais Francisement se pense tellement enivrant. Joue le grand diban distant quand il sent qu'il rend les meufs en transe qui dansent toutes transpirantes. Mais sache que si elles se tendent, espèce de pauvre gland crispant, c'est qu'elles flippent d'avoir une francistite à cause de ce Francis genre. Okay. Hey pote. À quelle époque tu pensais niquer le Doc Brown? Wake up!
Je pense que t'as vraiment besoin d'un check-up. Francis, t'aimes off a down. Ma rime est en the ground. Tes rimes se ressemblent, Francimétrie. Je vais te faire voir le film de ta vie, Francinéphile. Et tu meurs pas de vieillesse à la fin, spoiler alert, vieux schnock. T'es pas Booba, j'ai un couteau, y'a pas de version uncut. Je te gifle easy, je le fais en gros maintenant. J'ai l'aisance d'un Wheezy quand je te prolonge l'instant. La fragilité d'un Dreezy chez toi se hausse d'un cran. À la fin de ce battle, tu veux mon Zizi, Franco Vincent. Ouais, let's go là, putain. Hey. Let's go. Hey. Aster, c'est pour toi que ce battle est un honneur. Contre Fléo, t'as eu moins de réaction quand il a dit de faire du bruit pour ta sœur. Ton ratio de victoire ici, déficitaire. Chaque voyage en France pour ton anus, c'est un trip disciplinaire. J'ai l'impression que t'as confondu ce pays avec une fistinière. Et à la phase... Ouais, allez-y, sale, si vous voulez. J'ai fait bien pire que ça, et vous le savez. Hey. True story de ouf. Hey. À la base, t'affronter, je trouvais ça drôle. Mais t'es tellement dans la caricature, j'ai l'impression d'affronter un troll. Tu vas parler de mon poids alors que c'est toi qui collectionne les casseroles. Je crois moins en toi qu'en Sam Inem qui participe à N'oubliez pas les paroles. Time. Franco, deuxième round. Aïe. Honnêtement, t'as été une merde pendant tout ton parcours. T'as parlé de Francky Vincent, je vais te faire manger mon tourment d'amour. Et puis, c'est facile les jokes de sœur, et vous aimez ça? Right? So, t'as parlé de baiser ma frangine, mais elle veut pas niquer de français, elle est pas l'Argentine. OK, chill out. Hey, chill out. Ça va, tranquille. Hey. Mais tout ce que t'as dit, ça change rien au fait que ton clash contre Gaiden, c'est de la merde! Mais ta meilleure barre de battle rap, c'était dans ton clash contre Pastor H. T'as dit, t'es bien une légende car t'es toujours en bas de la carte. Wouh! Ça, c'est une barre que j'apprécie. Mais 6 ans plus tôt, j'avais dit, je suis toujours au bas des cartes, mais vous pensez que ça me dérange? Sachez qu'au bas des cartes, c'est là qu'on trouve la légende. Mais je t'accuse pas de m'avoir copié. Je veux juste que tu puisses comprendre de quoi. Chaque bonne ligne que tu vas trouver, j'aurai toujours 6 ans d'avance sur toi. T'es en retard. Mais tu sembles pas trop désolé. Tu regardes mes clashs de 2017 puis tu fais « Wow! » Copier-coller. Je vais en faire. T'es en retard, mais tu sembles pas trop désolé. Tu regardes mes clashs de 2017 puis tu fais « Wow! » Copier-coller. Tu nous vomis ce que t'as pris dans mes bars comme si t'as trop picolé. Mais tu peux pas m'insulter si t'as besoin de ma recette pour évoluer. Honnêtement, j'ai peur de faire des bons punchs ce soir parce qu'il va bientôt me les voler. T'appelles ça du hasard? T'essaies de voler mon génie? Jaffar, t'as parlé de couteau? Ben, je sors le poignard. Je ferai comme Jeffrey Dahmer avec ta mère et son cadavre. Chill out. D'ailleurs, vous connaissez Jeffrey Dahmer? Ben, moi, c'est je me ferai ta mère. OK, je sors le poignard. Je ferai comme Jeffrey Dahmer avec ta mère et son cadavre. Car tant que mes victimes soient noires, les policiers s'en foutent que je coupe du monde. Ça, c'est 14. Hey, ça, c'est 14. Je suis ton papa, mais tu me connais pas car t'es un bâtard. Aucun de tes punchs matin. Ça, c'est pas tard. Au poste de police pour un Big Mac, tu deviens bavard. Chill.
Au poste de police, pour un Big Mac, tu deviens bavard. Ta meuf, je peux même la mettre à l'envers. Radar, elle m'a dit que j'avais plus de viande qu'elle avait cru. Ça, c'est tartare. On l'utilise seulement pour ses trous. Ça, c'est une passoire. Hey, hey! Dans les coulisses du cabaret sauvage, tous les gars caressent son vage. Se faire gangbang dans une partouze, elle appelle ça du réseautage. En bon québécois, ta blonde t'embarrasse. L'éléphant dans le centre de la pièce, c'est qu'elle te trompe dans ta face. Mais tu restes fidèle à ta femme. T'es un mari honnête? Non, elle te manipule comme une... Je peux t'offrir la vérité ou le mensonge comme Morpheus. Elle a fait tellement d'avortements qu'on l'appelle Morphétus. Je peux t'offrir la vérité ou le mensonge comme Morpheus. Elle a fait tellement d'avortements qu'on l'appelle Morphétus. Tellement de fausses couches que son vagin fait de la fumée. Beaucoup de fœtus dans l'eau de toilette et c'est pas pour les parfumer. On me reconnaît par mes bars. On te reconnaît pour être gros et gentil. Et ça, tu le sais. T'es pas un vrai doc puisque t'es reconnu par aucune faculté. Donc je suis sur Paris pour donner une leçon au doc. Il y aura mort d'homme car je t'ai étudié et je trouve aucune barre que tu sors bonne. Hey. Je suis sur Paris pour donner une leçon au doc. Il y aura mort d'homme, car je t'ai étudié et je trouve aucune barre que tu sors bonne. Et si t'es pas capable de faire une pompe, je te plombe avec un shotgun. Et t'es pas capable de sauter, donc pour finir le round, j'arrive sur le côté et je dunk sur le brown. Okay. Yeah, 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 yeah. Dernier round. Dog round. Tu dis que... Ça va toujours ou quoi? Let's go. Hey. Tu dis que j'ai du retard sur toi. Franchement, tu le dis d'une manière crue. Mais j'ai tellement de retard sur toi que sur tes battles, il n'y a aucune de mes vues. OK. T'as une dégaine de quarterback, de coiffeur whack. Wesh, R. Kelly, pointeur black. Le genre de gars avec un maillot de la NFL, toujours accompagné par 4 coubiaques. Au Québec, au lycée, ça dit, ça peut te fiche une peur bleue. Mais quand t'es sur place, le visuel, c'est American Pie, mais le son, c'est les visiteurs d'eux. Ton prof de sport, c'était Godefroy de Montmirail. Ton prof de sport, c'était Godefroy de Montmirail, celui qui a toujours les dents sales. Il te mettait une retenue quand tu venais en gym et que t'avais oublié ton cheval. J'ai plus de fat que toi. Pas besoin qu'on se compare à la taille. Mon champagne se boit pas à la paille. Le Québécois a l'air à sec, Canada dry. Je monte à l'assaut comme... Let's go. Let's go. Yeah. Le Québécois a l'air à sec, Canada dry, je monte à l'assaut comme la section, les camarades dry, tu pourras pas fight. Si j'abats les cartes, c'est pas à la bataille. Si mes rimes riches te coupe, c'est parce que le flow que je m'achète est comparable à ma saille. Toi, ça c'est un flow que tu peux pas faire. Hey. Tes lines, trop hideuses. On n'est pas de la même catégorie, tu cherches un joli buzz. Je suis un lyriciste, j'ai des punches tellement profondes que même le petit Grégory creuse. Let's go. Hey. Ouais. Bon, si t'as pas l'air... Hey. Comme devant chaque Québécois, je fais un flip dans mon couplet. Si t'as pas les refs, je te les donnerais, mais ce serait plus sage que quand t'ailles les voir, t'ailles pas sur Google Images. Tes fans ont misé sur le mauvais cheval, on peut pas nous confondre. Tous mes adversaires ont essayé de faire de moi une licorne, toujours une barre sur mon front. Au Québec, t'es le mec qui amène la technique le mieux, que des barres du tonnerre et des textes du feu de Dieu. Ici, t'as toujours été ta propre version Wish dont personne ne veut. Hey.
Je vais pas m'étaler devant vous tous, mon style met beaucoup de coups. On n'a pas le même kung fu, au RC t'as un bouche-trou. Allez, va ravaler tes cahiers et tes fourre-tout. Tellement le feu j'amène, je dois le caler dans un jutsu. J'ai l'impression d'être un GPS porno. J'en étais sûr que j'allais te couper. J'ai l'impression d'être un GPS porno quand je tue ce fou bêtement. Parce que quelle que soit sa position sur la carte, mon flow l'encule sur tous les plans. Time. Franco. Dernier round. Oui. Oui, monsieur. Aïe. Selon moi, en ce moment, je gagne 2-0. Chill out! Hey, selon moi, en ce moment, je gagne 2-0. Fallait juste que je te dise de quoi. T'as parlé d'R. Kelly, ça fait 3 rounds que je te pisse sur toi. Et puis t'as parlé du Grégory qui creuse. Je comprends pas, mais ça, c'est ton monde. En tout cas, chaque chose que tu vas dire sur moi, t'es en train de creuser ta tombe. That's Flip Master. Aïe, le flip était wire, Aïe, yo! Si le jour où tu trouveras le courage d'enlever ton do-rag, je te lèverai mon chapeau. Parce que moi, je suis même pas circoncis tellement que je suis bien dans ma peau. Je vais la refaire. So, excuse-moi. Hey, le jour où tu trouveras le courage d'enlever ton do-rag, je te lèverai mon chapeau. Vous voulez où je l'enlève, dans le fond? Oui! Je peux l'enlever, OK. C'est bon. Hey, je peux y aller maintenant? Hey, le jour où tu trouveras le courage d'enlever ton do-rag, je te lèverai mon chapeau. Parce que moi, je suis même pas circoncis tellement que je suis bien dans ma peau. Pourquoi t'as peur de montrer ta bosse, Doc? On l'a tous déjà vu. C'est comme si Kim Kardashian avait peur qu'on voit son cul. C'est quoi ton but? Prends une pause. What the fuck? T'as un problème mental. La seule chose que t'as d'un Doc, c'est que t'écris vraiment mal. Car... Hey. Prends une pause. What the fuck? T'as un problème mental? La seule chose que t'as d'un doc, c'est que t'écris vraiment mal. Car tu dis que c'est trop facile de faire du sale, puis que t'aimes pas les blagues de sœur, t'aimes pas les blagues de mère. Mais à quoi ça sert de toujours dire ça si tu finis toujours par le faire? Et puis, tu bouges même pas sur scène. Tu prends aucun risque. Tu fais seulement ce qui est sûr. Donc ton manque de confiance et ta paresse paraissent dans ton écriture. Tu rappes comme un pied qui aurait besoin d'une pédicure. Car t'aimes faire la morale, mais je te signale que t'es un doc en phase terminale. Donc si tu veux sortir mes dossiers, je te sors ton dossier médical. J'ai une bonne nouvelle à vous dire. Doc Brown est à 2 Big Mac de mourir. On t'a dit que tu cours des risques, t'as répondu « Non, je suis incapable de courir. » T'es incapable d'améliorer ta vie car tu crois pas en toi. Mais j'ai compris la logique. Tu crois en rien car le doc se dit agnostique. Crois en rien, doc dit agnostique. Mais parlons de diagnostic. Quand Fléau a parlé de sa tumeur cérébrale, ça m'a rendu émotif. Quand Fléau m'a parlé de sa tumeur cérébrale, ça m'a rendu émotif. Donc j'avais vraiment peur que tu parles de ton diabète, ton cholestérol et toutes tes maladies chroniques. Mais mes barres te décortiquent. Mais tu me rappelles une danse de 2008 parce que tu vois que ma tectonique... Mais... Je danse mal, though, ma bad. Mais tu sais ce qui est illogique? T'as dit contre Pasteur H que de la cyprine, c'est dégueulasse. Vous savez c'est quoi de la cyprine? Le liquide qui lubrifie un vagin. Tu manges n'importe quoi, mais t'es dégoûté par une chatte. T'es pas un homme, t'es un gamin. C'est pour ça que Tago m'a invité ce matin. Moi,
J'apprécie la cyprine qu'elle a sécrétée pendant le cul nuit. Ensuite, ça fait du bien quand je rentre mon zizi. Donc, pour la cyprine, je dis merci à Lago comme une Lamborghini. Merci à Lago, Lamborghini, skrr! Merci à Lago, Lamborghini, skrr! C'est une voiture de sport? Non, j'ai pas vraiment mélangé. Skrr! Tu connais ça? C'est une voiture de sport. Normal que tu connaisses pas. Mais je suis le premier champion des Word Up. T'es pas un match-up excitant. T'es comme Salt Bay. T'es sur le terrain avec un champion juste parce que t'as su c'est le président. So, le titre du RC, cette bitch, on sera jamais la détentrice. Je te brise, t'es blessé, tu vas passer détentrice. Parce que je t'ai tué avec élégance. Du real shit avec des références. Maintenant, la seule chose que tu peux tirer, c'est ta révérence. Yeah, 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 yeah! Faites du bruit pour les deux MC, s'il vous plaît! C'est un fou battle! C'est un fou battle! Ah, c'était chaud, c'était chaud! On va aller voir les juges, on revient tout de suite! Yo, peace à tous, Stéréo Blackstar RC18, toi-même tu sais, ton rappeur préféré, ton ingé, ton beatmaker, tout ce que tu veux. Calcium TV, tous les bails. Dédicace à tous mes frangins, Dima la musique, tous les bails. Bon, on est là pour juger le battle Franco Bucci, featuring, je dirais pas versus, mais featuring Doc Brand. Voilà, je dis featuring parce que franchement, c'est un duo surprenant. J'ai pris mon pied pendant ce battle. C'était un battle très serré. J'ai eu du mal à me départager. En fait, ce qui se passe, c'est qu'au départ, il y en a un premier qui donne le ton. Il donne le ton. Deuxième, Franco Bucci, il arrive, il envoie du lourd. Je me suis dit, bon, j'ai l'impression que je vais la donner à Franco Bucci. Doc Brand, il arrive juste après. Sa première partie du deuxième round. Il arrive en première partie du deuxième round. Il envoie encore plus lourd. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Franco Bucci revient encore, il envoie encore plus lourd. Je me suis dit, je vais devenir fou. Et je me suis dit, bah, tout va se jouer sur le dernier. Tout va se jouer sur le dernier, en fait. Donc, sans plus attendre, hein, je vais donner, pas faire durer le suspense. Je vais la donner à Franco Bucci. Doc Brand, j'ai kiffé, franchement, j'ai grave kiffé sa prestation. Mais dans ce genre de combat. Voilà, c'est sur la durée, il y en a un qui tombe. Malheureusement pour moi, ça a été Doc Brand. Je kiffe ce MC en plus. Donc peut-être que de base, il se pourrait que j'aurais pas été objectif, en vrai, pour vous dire vrai. En plus, c'est pas la première fois que je juge les battles de Doc Brand. Donc voilà, et là, force, faut reconnaître que là, ce coup-ci... ça a penché du côté de Franco Bucci, donc félicitations à lui. Et puis à Doc Brand, t'as une écriture de fou, mec. Allez, salut. Salut l'équipe, moi c'est Cro et on se retrouve pour juger le battle Doc Brand versus Franco Bucci. Avant de juger le battle, merci ORC. On voit les commentaires, on voit ce qui se passe, mais avoir des battles de cette qualité-là et une carte aussi forte que celle qu'on a à cette édition, c'est très très fort et on vit des très beaux moments de rap. Merci ORC pour ça. J'accélère donc sur le jugement, je la donne à Franco Bucci. Pourquoi ? Je pense vraiment que Doc Brand a le meilleur round du battle avec son deuxième round. Mais en fait, la constance va chez Franco Bucci. Honnêtement, si je pouvais, je donnerais égalité, évidemment. Mais on est obligé de les départager et je pense que Doc Brand a un premier et un troisième qui sont un peu moins forts. Franco a un troisième qui est un peu moins fort, mais sur le premier et le deuxième, ça se tape. Je trouve plus régulier, il y a certaines phases de Doc Brand qui mettent du temps à arriver. C'est pour ça que je la donne à Franco, ça se joue à rien. Franco est un de mes MC préférés côté Québec. Doc Brand, un de mes MC préférés en France. Voilà, on doit juger ce battle, on en est là. C'est vraiment, on doit juger ce battle, donc on la met à Franco. Moi, perso, je la mets à Franco. Mais c'est juste un très grand battle, c'est juste un très bon moment de rap. Et je pense que c'est ça qu'il faudra en retenir. Salam l'équipe. Voilà, Yesou, je suis là pour juger le battle Doc contre Bucci. Alors le premier round, je l'ai donné à Bucci parce qu'il y a plus de trucs qui m'ont marqué.
En plus, le gars, il vient du Québec, il a fait quand même l'effort de s'adapter à... Enfin, il a trouvé des refs qui s'adaptaient à la France. Le deuxième round, j'ai trouvé, c'était très serré. J'ai kiffé les flips de Doc. Ils étaient ouf. J'ai trouvé ça très serré. Je sais pas vraiment donné de gagnant au deuxième. Et pour le troisième, Bucci, je trouve qu'il a été au-dessus. Et dans l'ensemble du battle, je trouve que Bucci a légèrement survolé le truc à chaque fois. Donc moi, j'ai donné ma victoire à Franco Bucci. Bon, ça y est, on a les résultats. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'était chaud. C'était chaud, c'était compliqué. Et le grand vainqueur de ce battle est... Oh, chill, calmez-vous. Le grand vainqueur de ce battle est... Franco Bucci. Faites du bruit encore pour les deux MC, s'il vous plaît. Faites du bruit pour eux. Et nous, on se retrouve très très vite. We'll be right back.